Nous sommes en direct à Erevan. Gilbert Minassian, un grand héros de la guerre du Karabakh, le colonel Ofseb Ofsepsian. Ah, bonjour. Léo Nicolien ne me casse pas les couilles dans Erevan. Non, c'est la France qui vous regarde, monsieur. Les couilles, hein. Ah. Dis-leur que on s'en bat les couilles de la France. Mais on est d'accord là-dessus, mais néanmoins, si vous me permettez, avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nicolien. On est en direct, là, la France vous regarde. Mais on s'en fout de ton... Mais on s'en fout, mais c'est le message que tu véhicules. Mais je vous lâche, monsieur. Alors, le message que vous véhiculez, vous êtes français, marseillais, évidemment... vous êtes un héros de la guerre de libération du Karabakh. Si vous vous arrêtez de marcher, ce sera encore mieux. Il est extrêmement rare de vous apercevoir, que ce soit à Marseille, que ce soit en France. Mais vous êtes à Erevan. Alors le hasard fait que... dites-moi Nicolien, juste... lâche-moi. Mais c'est vous qui me tenez par les bras, mon colonel. Bon, vous n'avez rien à dire. Absolument. Et sur votre présence en Arménie... Ma présence en Arménie est une présence... Charme, les gars. Oui. Est une présence tout à fait fortuite, puisque je suis à Yerevan, qui n'est pas mon lieu favori en Arménie. Je préfère être dans les montagnes. Mais bon, c'est pour ça qu'on rencontre des gens comme vous. Est-ce que vous pourriez vous arrêter 30 secondes? Un casse-couille de première catégorie, monsieur, Léo Nicolien. J'étais invité à la télévision russe et j'aimerais bien que vous puissiez vous arrêter pour ne serait-ce que 20 secondes de marché. 20 secondes, merci. Mais pourquoi je vais m'arrêter, Nicolien? Monsieur, par respect pour tous les gens qui vous regardent. Mais non, mais moi, je ne connais pas ces gens-là, je te connais. Alors, comme tu es le roi des casse-couilles, Nicolien, tu me laisses pas marcher. D'accord. Alors, juste un petit mot pour la guerre du Karabakh. Vous y avez été. En tous les cas, on vous a vu chez Michel Onfray. On vous a vu pendant cette guerre. Lâche-moi, allez, laisse-moi passer. Bon, ben tant pis, il n'a rien à dire. Rien du tout. Ah, il y a des pressions, quelqu'un vous empêche de parler librement. Vous êtes... Bah, écoutez, c'est pas ce qu'on m'a dit. Il n'y a pas de pression, il y a simplement le fait que, bon, au lieu de parler, il faut agir. Et donc, je n'aime pas parler... Vous l'avez parlé pendant des heures chez Michel Onfray pendant la guerre. Quand il faut parler pour dire quelque chose, on parle. Mais quand on n'a rien à dire, parce que la situation n'est pas favorable à une expression quelle qu'elle soit, je me tais. D'accord. En tous les cas, vous avez participé à cette guerre du Karabakh. Ça, je m'en souviens parce qu'on s'est connus sur place de 91 à 94. Vous avez fait partie depuis Vartenis de la prise de Karvajar. Et évidemment, tout le peuple arménien vous connaît aussi bien en Arménie qu'en diaspora. Quel souvenir avez-vous gardé de cette guerre qui est aujourd'hui, malheureusement, la deuxième a été perdante pour les Arméniens? Rien n'est jamais perdu. Donc vous restez dans l'optimisme? Je ne suis pas optimiste, je me bats et je travaille pour que les choses n'en restent pas là. D'accord. Il n'y a pas d'optimisme ou de pessimisme à avoir, il faut travailler. Le rôle éventuel des Arméniens de la diaspora, ils sont 12 millions pour vous. Quel doit être le rôle de la diaspora? Ne pas casser les couilles, Nicolien. Ne pas casser les couilles comme tu le fais, mon ami. Bon. Ciao. Salut, Ofseb. Ciao. Bon. Eh bien, écoutez, voilà un vétéran de la guerre du Karabakh qui a été aussi victime d'une répression politique très violente de la part des anciens pouvoirs, de Khodjarian et des autres, et qui est revenu à Marseille. L'affaire Taubira avait fait grand bruit après 20 ans d'absence. C'était des belles retrouvailles avec la France, parce que, on va pas parler de ça, mais la presse en a parlé en France. No comment. Bon, en tous les cas, ça nous fait bien plaisir. Il est passé dans ma rue au moment où j'allais partir à la poste récupérer les quelques euros qu'on m'a envoyés. Voilà, Gilbert Minassian, un résistant comme Misak Manouchian, vous étiez à l'époque dans un mouvement arménien, dans les années 70-80 en France. Est-ce que Misak Manouchian doit être panthéonisé comme Joséphine Béguer par le gouvernement Macron?
Je ne ferai pas de parallèle entre les deux, mais oui, il doit être panthéonisé. Voilà, Missak Manouchian, la fiche rouge, évidemment, qui s'est battue pour la France et qui a, avec son groupe de résistants, bien sûr, éliminé quelques grands officiers nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, merci. Voilà, Nicolas, bah écoutez, allez, ciao, on est sur la voie publique, mon colonel. Non mais bah oui. Non, écoutez, je suis désolé, il y a une rue qui s'appelle la rue Léo à Erevan. Donc c'est bien pas, ma rue. C'est pas là où on s'est rencontrés. C'est pas grave. Rue Thérian. On s'est rencontrés rue Thérian. À tes auditeurs et à tes téléspectateurs là. On s'est rencontrés à Erevan, il a privatisé la rue Thérian, ça y est, c'est établi. Allez Nicolas, va faire tes excès plus loin. C'est pas un excès, c'est une liberté d'expression. Oh oui, mais tu es excessivement dans l'excès dans ta. Bah écoutez, j'ai demandé à tous vos contacts, les Marseillais, oui. Pascal Chamassian et les autres, oui, oui. Et vous n'avez jamais répondu favorablement. Voilà, peut-être avez-vous quelque chose à cacher. Vous auriez pu même m'appeler en numéro anonyme. Non, en tous les cas, Pascal Chamassian qui a pris une carotte. À Marseille, qui n'a pas été élu. La politique. Qu'a dit le poète Gibran Khalil Gibran? Ceux qui touchent à la politique touchent à la corruption. Bon, il n'a pas été élu, Chamassian, et c'est dommage. Parce que les Arméniens en politique, Devedjian avait dit qu'il fallait qu'on soit nombreux, des Arméniens en politique. C'est bien. Léo, tu sais qu'en face de l'ambassade de France, il y a un jardin et il y a une statue de ton ami Gibral. Tu la connais pas, va la voir. Gibran Khalil Gibran. Oui, c'est le prophète. Lui, c'est lui. Est-ce que tu sais que Anne Hidalgo, celle qui distribue le crack, la coke, les jardins d'Éol, et qui nous fait de Paris la poubelle du monde, est à Erevan en ce moment? Non, je suis pas au courant. Je viens de ma montagne, je te dis donc. Il descend de la montagne à cheval, il est où votre cheval? À l'époque, vous aviez une Vilis, une Jeep militaire, mon colonel. Pas, c'est pour la montagne, à Erevan, c'est pas la peine. Bon, ben voilà. Le hasard fait bien les choses. S'il te plaît, bon. La femme et les enfants, tout le monde va bien? Des extrapolations politiques, tu les gardes pour toi. Dis donc, vous en êtes un parfait exemple de la politique. Votre militantisme vous honore. Mon militantisme, il me regarde et regarde les gens avec qui je me suis engagé. Et beaucoup de gens. Que la maire de Paris est responsable de ceci. Regardez ce que devenu Paris, monsieur. Vous êtes à Marseille, tout va bien à Marseille. Venez voir Paris, venez chez moi, je vous invite. Les agressions, la cocaïne, le crack. Voilà, Paris, la poubelle du monde. Finish. En tous les cas, voilà, vous l'avez vu. Gilbert Minassian, le colonel Ofsepian, héros de la guerre de libération. Au Karabakh, c'était la première guerre, 91-94. On en donnera des nouvelles.